Plutôt bien fait de refaire le stade. A dit Lisharp. Je ne suis pas sûr que les joueurs de Manchester City auraient voulu venir dans l'ancien St James Park. C'est sur ces mots bruits d'humour que Lisharp a présenté cette demi-finale de Capital One Cup, la première demi-finale de l'histoire de son club, l'Exeter City Football Club, qui tout naturellement, pour l'occasion, n'a pas hésité à aligner une équipe composée de ses tout meilleurs joueurs. Yaya Touré occupe le poste de capitaine côté mancunien, tout comme David Beckham naturellement du côté exonien. Dans les cages côté exonien, Dida, de gauche à droite Shaw, Bennett, Cooper préféré à Gaulle et Witt. À la récupération, Lewington. A droite Vermeer, à gauche Open, en pointe naturellement David Beckham et le duo d'attaquants Naki Wells, Nicolas Barkroth. Du côté de Manchester City, attention, ça pique les yeux. Joe Hart dans les cages, de gauche à droite Kolarov, Tourou, Montanich, Maicon. Au milieu de terrain, Javi Garcia à la récupération accompagné de Yaya Touré. À gauche Muse, à droite Sinclair, Nasri en meneur de jeu et un certain Sergio Aguero en pointe. Et le coup d'envoi qui va bientôt être donné par les locaux. Nicolas Barkroth qui lance sur Naki Wells. Qui remet derrière à Bennett. On attaque prudemment côté exonien. On s'en doutait un petit peu. Pour Nicolas Barkroth qui remet sur Naki Wells. Vermeer peut-être. Et le bon retour de Scott Sinclair. Kolarov qui va pouvoir tirer le coup franc pour se dégager. Scott Sinclair pour Avi Garcia. Pour Nasri, les exoniens qui ont vraiment réalisé un beau parcours pour arriver jusque là, éliminant 3 équipes, en éliminant 3 équipes de première ligue. Attention là avec Barkroth qui sort, tentative de lob mais c'est complètement loupé de la part du jeune suédois, Jord qui va pouvoir se dégager. Ouais donc de belles équipes éliminées dans cette Capital One Cup par les exoniens. On a eu Leeds United en championship. Et en première ligue, il y a quand même eu attention là avec Beckham, peut-être la frappe, oh là là. Et la première occasion chaude à mettre à l'actif des exoniens sur cette reprise de volée de David Beckham. Scott Sinclair, les mancuniens qui commencent à pousser, attention, la faute de Cooper sur Scott Sinclair. Et c'est Aguero qui va tirer le coup franc. Frappe. Non, le centre d'Aguero, la tête, c'est mal dégagé, Kolarov qui pourrait mettre sur Aguero, le centre contré et Vermeer qui récupère, qui va pouvoir dégager tranquillement sur Elliott Hewitt. Elliott Hewitt loin devant pour Naki Wells qui va peut-être pouvoir faire jouer sa pointe de vitesse face à Touré. Il a pris quelques mètres d'avance, il va pouvoir centrer peut-être pour Barkroth, le centre pour Barkroth, la tête et c'est au-dessus. Et Nasri, c'est bien Nasri à présent qui joue sur Aguero, sur Moussa.
Agüero, ça revient dans le pied d'Agüero. Scott Sinclair sur le côté gauche. Scott Sinclair qui fait la différence tout seul, qui a se présenté face à Dida. La frappe enroulée. Ça passe à côté de peu. Ouais, ça commence à être difficile hein, après 35 minutes de jeu pour les Exoniens qui sont vraiment sous le feu. Voilà, la frappe surpuissante de Sergio Agüero. Et je crois que c'est Sean Cooper hein, qui allait s'y sacrifier. Attention avec le corner tiré par Samir Nasri. Le corner, hein, ça défend bien. Chris Bennett face à Kovalarov qui a failli avoir son occasion. Et ce sera un nouveau corner tiré par Nasri. Nasri, Touré, mais non, il y a Touré qui a complètement loupé sa tête, ça passe largement à côté. Et Dida qui va pouvoir dégager les siens. Allez, Greshens qui sont étouffés hein, là. Le jeu des Mancuniens, les Mancuniens ont clairement pris l'ascendant avec Moura. Moura qui déborde sur le côté gauche, qui remet sur Nasri. Nasri, à nouveau pour Moura, le centre pour Nasri, la frappe. La belle frappe de Samir Nasri du gauche, dévié en corner par Dida. Nasri qui tire le corner. Le corner, attention à Arbi Garcia. Il s'est pas cadré, la défense exonienne n'avait absolument pas esquissé un mouvement. Malheureusement, l'international espagnol a raté complètement le cadre. Malheureusement pour Manchester City, naturellement. Allez, contre-attaque avec Barcott. Barcott qui repasse sur Wells. Wells face à Ravi Garcia et remis sur Beckham. Non, Beckham qui perd le ballon. Ça revient dans les pieds d'Open. Open peut-être, on est juste avant la mi-temps. Ce serait le bon moment pour marquer un but. La frappe de Beckham s'est ratée. Wells La tentative de Wells qui passe à côté. Et les deux équipes qui vont rejoindre les vestiaires sur un score nul et vierge. Un plutôt bon résultat pour les Exoniens qui ont été clairement largement dominés dans le jeu et dans les occasions. On revoit notamment ce centre raté. 8 tirs hein, déjà pour Manchester City contre seulement 2 pour les Exoniens. Allez, c'est reparti. Samir Nasri. Je remets sur Moura pour Maicon. Interception de David Beckham. David Beckham qui se bat, qui parvient à garder la balle et qui remonte sur le côté gauche. Une petite faute de la part de Maicon et le coup franc pour David Beckham. David Beckham qui va sûrement centrer. La frappe de Beckham, c'était bien tenté. Gerard a vu venir le coup. Bercrot, les Exoniens qui semblent présent. Bercrot qui récupère. Bercrot qui va se présenter seul face à Joe Hart. La frappe, oh là là. Et Bercrot qui rate le cas. Manchester City qui souffre un peu hein, en ce début de seconde mi-temps. Les Exoniens semblent être revenus avec de meilleurs offrants. Oh là là, Vermeer pour Shaw. Luke Shaw. Et Luke Shaw qui offre un avantage d'un but aux joueurs d'Exeter City à la surprise immédiate sur cette passe lumineuse de Danny Vermeer. Donc on dit un petit génie du football. Les Mancuniens qui semblent avoir du mal hein, à trouver une réponse face à cet avantage des Exoniens. Une nouvelle fois, c'est Barcrot. Barcrot qui perd le ballon face à Nastasic. Très bon pour ce soir. Et Touré qui va pouvoir dégager. Dégagement de Touré, non, c'est contré par Wells. Wells qui remet dans la course pour Barcrot. La frappe de Barcrot et l'arrêt de Joart. Joart qui avait bien suivi pour le coup, mais c'est pas fini. Open qui récupère. Open pour Werner. Werner qui va tenter de frapper. Récupération de Barcrot. Les Exoniens lâchent pas la balle. Et la faute. La faute et la rentrée de David Silva. Allez, l'ancien de Manchester United qui tire le coup franc. Non, c'est dans le mur directement. Et le dégagement loin devant pour Agüero. Mais Bennett qui récupère pour Open. Allez, Orphan Open qui va pouvoir remettre tranquillement sur Niklas Barkroth. Sur le côté gauche, peut-être le crochet. Oui, le crochet. Le centre, la frappe de Beckham. Et c'est arrêté une nouvelle fois par Joart. Beckham qui va sûrement beaucoup marqué devant les ennemis de son club de toujours, hein, Manchester United. Allez, Tevez qui rentre à la place de Ravi Garcia. Attention à cette contre-attaque avec Tevez. Tevez qui montre de bonnes choses depuis le début. Attention, Tevez la passe sur Sinclair. Tevez qui conserve le ballon. La frappe enroulée. La trajectoire coupée par Sergio Agüero. Le Kun qui vient crucifier les espoirs des Exoniens à la 74e minute. Sur une action magnifique de Carlos Tevez qui a emporté toute la défense avec lui. Et offert un centre tendu, une frappe ou un centre tendu à Agüero.
C'est cruel hein, pour les Exoniens qui auront sûrement du mal à Etihad Stadium à l'emporter. Attention avec Touré. Touré, la frappe de Touré. Et le poteau. Le poteau qui sauve Dida. Et le dégagement de Chaud pour Bercrot. Bercrot qui remet sur Wells. Wells peut-être la contre-attaque des Exoniens avec Danny Vermeer. Danny Vermeer, la passe au loin pour Niklas Bercrot. Niklas Bercrot qui va peut-être pouvoir se dépêtrer du défenseur. La passe pour Vermeer. Frappe de Vermeer et le but. Danny Vermeer déjà passeur sur le premier but exonien et qui a diminué de la prendre un avantage à son équipe. L'Icharpe évidemment qui procède à des changements. La sortie de Niklas Bercrot, la rentrée de Fabian Brandy. Ainsi que Beckham qui sort et puis il a sa place à Kaspar Slot. Ah, c'est un gros coup hein, que font les Exoniens. Même si le match retour sera sans doute très difficile pour eux. Attention si jamais dans les derniers instants. Non, c'est fini. L'arbitre qui siffle ici la fin du match au St. James Park d'Exeter. Un avantage plus que tenu. Hein. Il faudrait arriver à ne perdre que 1-0. Non, même 1-0, ça suffirait pas. Il faudrait arriver à ne pas prendre de but en fait. Ou à perdre 3-2, enfin par un but d'écart, mais en ayant marqué au moins 2 buts, ce qui paraît complètement improbable sur le terrain de Manchester City. Peut-être un 0-0. La défense exonienne devra réaliser des prouesses au match retour. Une doute que Richard tirera tous les enseignements du résultat de ce soir pour peut-être, qui sait, envoyer son tout jeune club en finale de la Capital One Cup.